In the name of Jesus. Libère là. Tu vas partir. Release. Are you going to leave? Va-t'en. Go. Oui, va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu commandes maintenant. I command right now. Parti. To go. Et lâcher sa vie. And release her life. Lâche-la. Leave her life. Leave her life. Release her. Pourquoi? Ce corps. This body. Son âme, son esprit. Her soul. Appartient désormais à Jésus. Belongs to Jesus. Tu m'entends? Do you hear me? Lâche-la. Release her. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Libère. Libère. Release her. Lâche totalement sa vie. Release totally her. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et quand une femme a ce genre d'esprit, vous constatez qu'elle a un problème dans le ventre de fibromes, les kystes sont provoqués par ces esprits. Or, derrière cet esprit, il y a un esprit de la sorcellerie qui se cache. Because behind this spirit, we have the spirit of witchcraft. Ils m'ont mené hier une image qui s'est passée hier le 15, hier matin. So, a picture yesterday. D'un monsieur qui était allé prendre l'utérus d'une dame. Oh. En sorcellerie, il y a les images. Went to take. Et il a été foudroyé. Donc, il est resté nu. Il n'est ni femme, il n'est ni homme. But he was destroyed. Les images sont là, il y a les images. Ça s'est passé hier, en Guinée. Okay. Actuellement, il a rentré la main de la police. Il n'est ni papa. Il est homme. Il a les seins. On sait que c'est un homme, le reconnu. Il a les seins. Il a le risque qu'il allait chercher la série là. Oui, il y a des images. I got the pictures. La sorcellerie, c'est une réalité. Witchcraft is a reality. Lâche-la. Release him. Tu vas la libérer. Are you going to release him? Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Hier, vous avez vu la délivrance. Vous avez vu comment l'enfant a dit il porte un masque à sa mère. Have you seen yesterday? Et quand les gens viennent pour être sérieux avec sa mère, the kid, ils chassent. He said that. Donc, il a mis un esprit de célibat dans la vie de sa mère. The spirit of célibat, sa mère épouse quelqu'un. Et quand c'est comme ça, so that she can c'est comme une forme de prostitution. La dépravation sexuelle dans la vie de la personne. Et le comble, c'est que l'enfant même couche avec sa propre mère. En sorcellerie. Was having sexual intercourse with his mother. Lâche. With the power of witchcraft. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu vas la libérer. Are you going to release her? Va. Va-t'en. Go. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. La puissance de Jésus. The power of Jesus. Sa puissance le délivre. Tu m'entends? Tu m'entends? Do you hear me? Tu vas quitter sa vie. Are you going to leave her life? Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Lâche-la. Release her. Le moins fâché. The devil is very angry. Nous sommes en train de te chasser. Because we are chasing him. Le feu sur toi. Attends. Et quand tu vois les femmes comme ça, elles aiment pas là. When you look, when you see this kind of woman, pas là. Il y a pas là. Elle ne me croira pas. C'est le démon. It's the devil. Quelle est dans ta vie, il y a ce qu'on appelle démon, esprit guerrier, c'est pas là. We have a spirit, and this way we can talk. C'est pas qu'on demande pardon, c'est quand on demande pardon même qui conduit ne fait pas là. Après ça tu regrettes. Et puis n'aime pas chemidier. Elle n'aime pas chemidier. She doesn't like those kind of women. Don't like. Eh bien toujours être chef, patron, celle qui doit diriger la maison, celle qui doit commander la maison. They would like to be master and command the house. Oh, l'homme est chef sur la femme. But you know that. Que tu veux ou pas, c'est une loi divine.
It's the divine. Va t'en aller. Totalement sa vie. Au nom puissant de Jésus, vaincu, tu es déclaré. Va. Go. Va-t'en. Go. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Lâche-la. Release. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Il y a des gens qui ont décidé ici. Venez, venez, vous allez, je vais prier pour vous, allez passer le test en semaine. Vous allez me ramener le jour. You. You venez, venez. Are going to have your test. On avance. Don't be ashamed. C'est une maladie que les sorciers peuvent donner aux gens. Ça peut être une maladie mystique. Dans un village en 2012, in the village, in Dieu m'a utilisé à guérir 60 Sidiens sous mes yeux. Ils ont été totalement guéris. Une jeune dame avait une seringue et à l'aide de cette seringue, elle donnait du sida aux gens. Moi, je crois la puissance de Dieu. Amen. Amen. Dieu guérit toujours. Amen. Il n'y a pas une maladie que Jésus-Christ ne peut pas guérir. Amen. Je sais qu'il ne peut pas avoir honte. Non, il ne peut pas avoir honte. Amen. On dit, il envoya sa parole, il est guéri. Dieu envoie sa parole, guéri. Dieu envoie sa parole pour guérir. Ce n'est pas une question de crasso, c'est Dieu qui veut vous guérir. Peu importe comment les gens vont regarder. Mais Dieu va vous guérir. Dites incurable, ça c'est la science qui est limitée. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu ne sera jamais limité. God will never be limited. Il est puissant, il est souverain. He's powerful. C'est lui la guérison. Amen. La femme qui avait peur de sang, elle dit si je pouvais toucher son vêtement. Amen. On dit qu'elle a dépensé l'argent. She spent too much money. Elle dit si je pouvais toucher son vêtement. I could touch his glove. Si je pouvais simplement toucher son vêtement, elle a touché le vêtement de Jésus. Elle était totalement guérie de cette belle leçon. She was cured. She was healed. That's all. Awora beu bure parao. Awora beu le bure parao. Awora beu bure parao. Awora beu bure parao. Aya Jesus bana kesebe mana iseo. Aya Jesus bana kesebe mana iseo. Aya Jesus bana kesebe mana iseo. Mana iseo. Mana iseo. Wow. Mon Dieu,
Je vous donne la définition de la sorcellerie. La définition, lanceur de sort. Celui qui lance un sort. Donc la sorcellerie, le sorcier. Il n'y a pas de sorcellerie, s'il vous plaît. Il n'y a pas de sorcellerie positive, ça n'existe pas. There is no positive. Quand quelqu'un dit qu'il est sorcier, mais pour lui, il est positif, c'est faux. When someone says he's a positive sorcerer. Quand on emploie déjà le terme sorcellerie, c'est dangereux. When we use. Parce que la définition de celui qui lance un sort. It is dangerous. J'ai jamais dit bon sort, c'est un mauvais sort. When someone. Amen. Alléluia. Nous allons voir l'origine de la sorcellerie. D'abord, l'origine de la sorcellerie, vous voyez ça dans la Bible. The origin of witchcraft. Au travers de la vie de Caïn et Abel. We can see from the Bible. Vous connaissez l'histoire? Caïn va tuer son frère Abel à cause de la jalousie. L'élément qui fait entrer l'esprit de la sorcellerie dans la vie d'un être humain. The element that can make witchcraft enter in someone's body. C'est la jalousie. Is jealousy. Amen. Amen. C'est la jalousie. It's nous allons prendre l'église, s'il vous plaît.
Let's take our Bibles. Si tu es trop jaloux, if you are too jealous, yes, il faut t'attendre à la sorcellerie. Nous prenons 1 Samuel 17. Plutôt le verset, le chapitre 18, 1 Samuel, le chapitre 18, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. 1 Samuel 18, le verset 7 à verset 14. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'on est Bible? Vous savez, par moment, il y a des gens qui posent des actions autour de vous. Votre intuition vous dit, cette personne-là, est-ce qu'elle est normale? Mais comme vous faites tellement confiance à cette personne, vous ne pouvez même pas penser qu'elle est sorcière. Je vais montrer un peu les caractères du sorcier. Dans son comportement, vous allez voir que la personne est sorcière dans son caractère. Ça ne se cache pas. Souvent, Dieu nous donne l'intuition. Vous dites, c'est à ce que la personne est en train de faire là, c'est de la sorcellerie. Vous allez voir tout à l'heure. Prenez 1 Samuel 18, verset 7 à 14. Amen. 1 Samuel 18, verset 7 à 14. C'est le démon le plus dangereux. On appelle l'esprit humain, on appelle l'esprit de la sorcellerie. C'est pour ça que vous allez voir qu'une mère va livrer sa propre, son propre enfant sans problème. On a l'impression qu'elle n'a pas le cœur, mais c'est ça. C'est un démon très dangereux. Quand il possède une personne, il n'a pas de problème, la personne est capable de livrer tout les villages. C'est en cela que c'est dangereux, c'est en cela que chacun d'entre nous doit combattre cet esprit. Si vous savez qu'on fait la lecture, les femmes qui chantaient and the women sang, se répondaient les unes aux autres. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres. To another world, et disaient. Et disaient. And the Mary. Saül a frappé ses mille. Saül a frappé ses mille. Saul a killed his thousands. Et David ses 10 000. Et David ses 10 000. And David his 10,000. Saül fut très irrité. Saul was very angry. Et cela lui déplut. For this saying displeased him. Il dit. He said, On a donné 10 000 à David. David. They have ascribed. Et c'est à moi que l'on donne les mille. C'est à moi que l'on donne les mille. And to me they have ascribed. Il ne lui manque plus la royauté. Et la royauté. Amen. Il ne lui manque plus la royauté. Regardez ce qu'il va dire après. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. D'un mauvais œil. So Saül a partir de ce jour et de la même suite. From a day on. Le lendemain, the next day, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül. Amen. 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 Saül. Qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. And he raved within his house while David was playing the lyre and the day by day. Saul leva sa lance. Saul house. Disant en lui-même. Sparing his hand. Je frapperai David contre la paroi. Saul threw the spear. Mais David se détourna de lui deux fois. Saul craignait la présence de David. Saul was parce que l'Éternel était avec lui. Amen. Because the Lord was with him. Est-ce qu'on peut acclamer la puissance de Jésus? Regardez l'histoire. Amen. On parle de David et Saül. Vous savez, Saül fut le roi, le premier roi d'Israël. You know that Saul was le roi que Dieu avait choisi, établi. Israël Israël était de la tribu de Benjamin. Ce roi que Dieu avait établi sur Israël. À cause de la désobéissance, Dieu l'avait carrément rejeté. And because of this, et Dieu avait porté son regard sur un petit bonhomme. He was away from the de la tribu de Juda. Quand le père était Isaïe, David. Il y avait un géant, Goliath, un homme Goliath qui lançait un défi, qui a commencé à insulter, blasphémer le Dieu d'Israël. Alors David s'est levé un matin pour défier ce Goliath, l'ennemi d'Israël, l'a terrassé, l'a tué. And the enemies, voilà, les femmes ont commencé à chanter. Started killing him. Et ça a créé quelque chose dans le cœur d'Israël. Il dit, mais regardez ce que ces femmes-là sont en train de faire. Cette, je suis convaincu que ce monsieur, il n'étendra pas à devenir roi. I'm convinced
This man cannot be a king. Amen. Donc regardez, la jalousie. Jalousie. La jalousie, on dit, la jalousie attire l'esprit de la sorcellerie dans la vie d'une personne. Jalousie can bring. La dernière fois, il enseignait quelque chose. J'ai parlé de la jalousie haineuse. Il y a deux formes de jalousie. J'ai une jalousie où on peut être en face. Ok, jalousie. Voilà. Vas-y, mais mélange, vous ne comprenez pas les jalousies. Hein. Vous dites, le prophète dit tout ce qui est jalousie, c'est sorcellerie. Non. Don't confuse. Amen. C'est ce qu'on appelle la jalousie haineuse. Elle est la jalousie, tu es jaloux parce que la personne s'habille bien. Tu es jaloux parce que la personne avance et tu cherches à éliminer cette personne. Tu as de la haine. C'est ça. Or, il y a une jalousie où j'ai ma femme. We have another jealousy. Pas la toucher. I have a wife, Rachel, for instance. Madame, on t'a vu trop les textos, hein. When, for instance, my wife. Ça fait tentation. Il y a trop de dragueurs dans les mariages. Messages. J'ai toujours dit aux gens, si vous commencez à avoir une relation très sincère, évitez de donner des numéros aux gens. Sinon, à cause d'un petit texto, ça peut même détruire une relation. Real, aujourd'hui, à cause de portable, woman, tu n'as rien à voir ça avant d'avoir un texto pour t'emmerder. You don't have to pay intentional. Et le monsieur va vouloir demander une explication et ça va créer beaucoup de choses dans le foyer. And simply because of messages, we can have many problems. Amen. Non, on aime une femme, qu'on aime quelque chose, on protège la chose. La preuve, c'est que Dieu même est un Dieu jaloux. Nous dit la Bible. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas croire au monsieur. Si tu as dit, il faut croire. Elle n'est pas venue dire non, je ne te crois même pas. Ça dit, c'est qui tu dis? Tu peux être ton bébé. Tu mens. Après, il y a des gens qui sont des grands menteurs. Yes, some people here are Amen. Good life. Mais il faut croire. But you have to believe. Amen. Il faut croire. Alléluia. Amen. On est jaloux parce qu'on peut protéger madame. We are jealous because we can protect. On est jaloux parce qu'on ne voudrait pas partager le monsieur avec une autre femme. We don't want to share. C'est différent d'une jalousie et d'une autre. Or, il y a une jalousie que Dieu condamne. We have qui a l'esprit la sorcellerie. On est jaloux parce que lui, il est en train de prospérer. We are jealous. Ou même ses enfants sont en train de renforcer. Ou même dans la famille, celui qui a l'argent. Celui qui s'est pris de telle personne, il faut l'éliminer forcément. Vous allez voir ça dans son caractère. Cette personne allait comprendre qu'elle va commencer à vous critiquer. But before killing you, this elle va commencer à vous critiquer. Forcément, elle va commencer à vous critiquer. Ça veut dire qu'elle va commencer à vous exposer. And expose your life. Voilà. Donc, ça accompagne des critiques. Critics. Et vous allez voir dans la vie de cette personne, les forces sont très hypocrites. In the life of this. Il y a une hypocrisie. La personne fera tout. Elle va faire semblant de t'aimer. Justement pour s'approcher et pour avoir toutes les informations. The true like is the one who loves you. Ouais. Parce qu'ils font le rapprocher. Just to be closer to you. Ils font tout pour avoir le contact. Just to have the contact. Ils feront tout, manger tout ce que tu veux. Même si tu nettoies ta chaussure. Justement pour avoir un contact avec toi. Even clean yourself. Et avoir toutes les informations pour te détruire. Just to have contact. L'hypocrisie. Try to destroy. Et dans le fond, c'est pas sincère. Amen. Ils sont très envieux. Ce sont eux qui veulent toujours quelque chose. Je veux ça, 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 je veux ça. I want this, I need this. Et ils sont très ingrats. Ils ne connaissent pas. Le vieux, je te donne la dernière fois 10 000, 100 000. They are not grateful. Il va te dire non, c'est pas beaucoup. Moi, ce n'est pas l'argent qui m'a donné, ce n'est pas l'argent. Depuis le temps. Donc, ils sont très ingrats. Hein? Ils sont aussi les très ingrats. You'll never recognize. Les gratitudes. Amen. Ungratefulness. Je vous ai parlé de la haine. Je vous ai parlé de la jalousie. Je vous ai parlé de l'hypocrisie. Je vous ai parlé de la jalousie haineuse. Et puis, il y a cette forme de haine. Ils n'aiment pas pardonner. And some people doesn't forgive, don't forgive. J'ai expliqué la dernière fois, il y a ce qu'on appelle la méfiance et le manque de pardon. And then you have, I gave you two forms. Ouais, il y a des gens qui peuvent te dire bonjour. What you have to pay attention. Mais qui ne peuvent plus jamais marcher avec toi. Parce qu'ils ont vécu une aventure terrible avec toi. Some people. Ça n'est pas dit qu'ils ne peuvent pas pardonner. Par contre, il y a des gens qui ont la haine. Et ils ne te diront jamais bonjour. Because of what you did. Même à toi, à ta famille, à tes enfants. Je n'ai pas ce genre de haine. Ça, c'est de la haine.
Or quand elle a aidé une personne, mon chef Osman détruit cette personne. In the arts, ils sont très réguliers. Les sorciers sont très réguliers. Sorcerers. Ils sont très réguliers. Amen. Amen. C'est des grands menteurs. They are great liars. Ils ont deux langues. La langue pendante. Ils parlent ça, demain ils parlent autre chose. They can say something today, another one tomorrow. Amen. Amen. Et je vais toucher encore une autre forme. Il y a deux formes de sorcellerie. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. D'abord la sorcellerie consciente. Ça veut dire la sorcellerie inconsciente. Puis la sorcellerie consciente. Et quand les gens commencent à d'abord t'initier avant t'initier à la sorcellerie, ils vont commencer déjà à préparer ton art. And before starting initiating, ils vont comprendre que dans le rêve, tu as l'habitude de manger. And in your dreams, you used to eat. Tu manges. You eat. Dans le rêve, tu manges. In your dreams. Quand vous voyez ce genre de trucs, when you see cherchez à voir, this kind of thing, cherchez à se faire délivrer. Vous êtes venu avec qui, monsieur? Try to be delivered. Vous? Oui. Hein? Venez. Le Saint-Esprit vous a suivi. I feel the balance. Vous voyez la puissance de Jésus? Vous lâchez son âme. Please. Jésus te dit. Come on! I command. Lâchez son âme. Release this arm. Lâchez son âme. Release this arm. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Lâchez son âme. Release this arm. Lâchez son âme. Release this arm. Lâchez son âme. Release this arm. Je voyais les gens qui étaient en train de manger sa chair. Il était à côté. Je voyais and les gens so manger sa chair. People eating his flesh. Lâchez-le. I command. Vous libérez totalement son âme. Release totally his spirit. Et tout son être. And all his spirit. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Il jeûne aujourd'hui. You have to fast today. Et jusqu'à demain. Till tomorrow. Il ne mangera qu'un peu ce soir. À 18h, il coupe un peu. À 18h. Tonight. Ensuite demain. Then tomorrow. Aujourd'hui c'est samedi. Today is Saturday. Il va faire de jeûne jusqu'à 18h. He's going to fast until dimanche pour 6 p.m. D'accord. And then tomorrow till 6 p.m. Donc ça va commencer par la sorcellerie inconsciente. Vous avez l'impression que dans le rêve, vous mangez, et quand vous remarquez ce genre de truc, cherchez à vous faire délivrer. You eat in your dreams. Cherchez à vous confier à un homme de Dieu. So you have to préparer votre esprit à quelque chose. C'est ce qu'on appelle voyage astral. Ou bien dans le rêve, vous avez l'impression que vous envolez. In your dreams, it seems like you are flying. Et vous allez comprendre que votre pensée commence à être contrôlée, c'est négatif. Vous avez l'impression que telle personne va faire un accident. And then you are, et ça arrive. What you are going to think is that. Il y a des gens, eux, tout ce qui est négatif, c'est pas positif. C'est tout ce qui est négatif arrive. All negative things. C'est bien l'esprit de la sorcellerie introduit dans la vie de that personne. Is the spirit of witchcraft. Amen. C'est déjà l'esprit de la sorcellerie introduit dans la vie de personne. Ou bien vous allez constater que la personne qui est en train de dormir commence à marcher sa bouche, ses dents. Vous avez l'impression que la personne marche à mâchoire. Someone vous avez remarqué ça, c'est que la personne est déjà dans la sorcellerie. Ou bien quand une personne dort, vous voyez dans le rêve, la personne croise. Ou bien qu'elle dort, ses deux pieds sont croisés. Ses deux pieds se croisent comme ça. When you see someone with his two legs, l'esprit de sorcellerie dans la vie des personnes. Parce que vous sortez dans le corps, de leur corps, pour aller faire le voyage astral, then, ils croisent les deux, travel, les deux pieds. Ils croisent les deux the pieds, of travel, et puis ils sortent. Or, quand les deux pieds sont déliés comme ça, là, l'esprit qui est parti ne peut plus revenir dans le corps. C'est quand les deux pieds sont croisés que l'esprit quitte. When they met, que l'esprit quitte. The spirit can go out. Sauf que quand vous êtes dans une maison,